Les gens vont te poser des questions via nos amis de Google+, via YouTube, c'est le multiplex chat vidéo. Maxime, tu es d'où Maxime ? Salut, je suis de Paris. Paris, bienvenue. Mehdi, salut Mehdi. Salut, salut. Et enfin Mohamed qui est de... Bonsoir, je suis d'avant. Bah écoute, bienvenue à vous tous. Vous allez pouvoir poser dans un instant vos questions à DC's. Repartir aussi avec votre dédicace. Ouais. Spécial parce que tu vas dédicacer virtuellement, c'est pas énorme. C'est en direct, c'est nice hein. Tous ces concepts. T'as vu ? Les gens repartent avec leur dédicace direct. On est dans le turfu, comme dirait... Voilà. Sinon on serait pas là, je pense. Qui a vu DC's en concert ? Eh ben moi mardi. Mardi, c'est qui a dit moi mardi ? C'est Mohamed, je crois. Maxime, t'as vu DC's ? Mehdi aussi. Je l'ai vu à Évry, moi. Je sais pas s'il se souvient de moi, j'avais pris une photo avec lui. Oui, je me souviens de toi. Ouais. Marocain même. Ouais, c'est ça. D'origine de Maroc. Je me souviens. Peut-être une question de Christelle. Bah oui, accueillons les filles un petit peu dans la netrap. Salut Christelle. Bonsoir. J'avais une question. Mm-hmm. Tu avais joué dans le film Dans tes rêves. Mm-hmm. Et en fait, je voulais savoir si tu avais d'autres projets cinématographiques. Alors, moi, j'ai pas de projet là tout de suite cinématographique, mais en ce moment, je suis en train de jouer Othello au théâtre. Et je pense que le fait de repasser par le théâtre, je pense qu'on me reproposera des rôles au cinéma. Mais t'as rien eu après dans tes rêves ? Si, j'ai eu pas mal de trucs, mais j'ai refusé pas mal de choses aussi parce qu'il y a plein de trucs qui n'allaient pas dans ma vie, dans le truc. Mais là, je suis de retour, donc de la même manière que je suis de retour en musique. Si on propose des choses intéressantes au cinéma, eh ben pourquoi pas. Ouais, salut l'équipe, salut DC's. Salut Maxime. Moi déjà, j'étais au live à l'Olympia mardi. Déjà, je tenais à te remercier, à te féliciter parce que c'était vraiment un spectacle d'enfer. Merci. L'enfer, non, de paradis, je préfère. Ouais. Ah, c'était bouillant en tout cas. Donc déjà, je voulais savoir en fait un peu comment t'avais préparé le truc, parce que t'avais plein de surprises, t'avais plein d'invités, puis il y avait le clip translucide en avant-première, donc je voulais savoir comment t'avais préparé le live. T'es en train de faire baver les auditeurs. Bah ouais. Eh bien écoute, comment j'ai préparé ça ? Bah, comme un bon gâteau, hein. J'ai choisi mes ingrédients, c'est une image un peu simple que je viens d'employer, mais je ne trouve pas mieux. Après, pour les invités, bah, je les ai appelés et je leur ai proposé, j'ai eu l'idée la veille en fait, de faire un espèce de tout ça, version longue, où chacun viendrait en invité surprise faire un 8 mesures. Tout s'est bien articulé en fait, c'est ça qui était un peu magique dans cette soirée, c'est qu'il y a des choses qui ont été préparées au dernier moment, et puis, ça s'est extrêmement bien passé. Petite dédicace, DC's ? Une petite dédicace ? Ouais. Petite dédicace pour Maxime. Maxime, t'es là ? C'est pour Noémie. Elle a kiffé l'autodance. Oui, qui m'appelle ? Ouais. Bon, bougez pas les mecs, parce qu'en fait, là, on doit caler les instrus pour le freestyle. Restez avec nous, hein. Ok. 1. D-I-S-I-Z. 1. Je suis trop hard, mon flow c'est de l'art. Un rap de noir sur l'instru d'un arabe. Mon rap bombarde. Maintenant j'ai une barbe, ça va encore jacquer. Et je vais me taper des barres, Michael Jordan. Je reviens et je gagne, c'est bête de bombe 5. Mieux que bête de bombe 4. Michael Rousbard, tu donnes ta langue au chat. C'est d'ici en plus hard, en plus barge. I'm back, oh.